contribuer à la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. La Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, CNMAEP, en a fait sa préoccupation. Elle initie une université d'été afin de permettre aux acteurs africains de bonne gouvernance de partager leurs expériences. C'est une tradition que nous voulons perpétuer en nous retrouvant chaque année autour d'une problématique sur la bonne gouvernance. Et au terme du traitement de cette problématique, les résultats des travaux seront consignés dans une revue scientifique africaine. Avec cette initiative-là, ça nous aide à approfondir les débats, les discussions, aussi les pratiques de bonne gouvernance en Afrique. Point focal du MAEP en Côte d'Ivoire, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, Kandia Camara, a réitéré la volonté du président de la République, Alassane Ouattara, de faire de la lutte contre la corruption le socle de sa gouvernance. Pour ce faire, elle salue l'initiative de l'organisation de cette université d'été. Le MAEP Côte d'Ivoire a décidé d'organiser cette université d'été afin de regrouper tous les experts du domaine pour justement des échanges d'expériences et de bonnes pratiques afin de faire de la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire un levier important pour le développement du pays et surtout pour la croissance économique. Cette première université d'été d'ACNMAEP prend fin ce vendredi 16 septembre 2022.